Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est Alex, votre animateur. Ce soir, là, on est mardi soir, il est quasiment 2h du matin. Là, je vous fais une petite intro parce que on a fait un enregistrement à vendredi avec Dean, Skids puis Antoine. On était un peu beaucoup sur la brosse. Fait que c'est juste un petit avertissement comme ça là, pour vous dire qu'on dit pas mal de niaiseries, on est un peu dur à suivre. Mais d'après moi, on a apporté des points qui est le fun. On parlait de nos chansons qui nous ont influencé quand on était jeunes, le premier album qu'on a acheté, puis le premier spectacle qu'on a vu. Fait que c'est quelque chose de le fun. Les gars, on se prend pas trop sérieux, là, on rit, puis vous allez voir. On avait sorti l'épisode en premier temps pour en disant qu'on allait pas faire de montage, puis tout ça, puis on l'a publié tout de suite, puis on est encore un peu sur la brosse que on l'a publié, dans le fond, on l'a enregistré, j'ai fait convertir tout ça en MP3, puis on a mis ça en ligne tout de suite, puis après, écoute, j'ai réalisé qu'il y avait des petites affaires qu'il fallait peut-être que bipper, fait que j'ai été faire cette petite modification-là, aussi, là-dedans, fait que tout est arrangé, fait que à cette heure, on vous le republie. Soyez indulgents, à la fin de l'épisode aussi, j'ai mis les trois chansons, ben les quatre chansons, désolé, qui nous ont les plus influencés de notre vie. Fait que l'épisode, ben de notre vie, de notre jeunesse. Fait que l'épisode va finir avec ces chansons-là. Il va y avoir une chanson d'Eminem, une chanson de Sean Paul, une chanson de Linkin Park et une chanson de Berrurier Noir. Fait que vous allez découvrir en écoutant l'épisode aussi qui dit quoi. Qui appartient à cette chanson-là. Fait que je vous souhaite de passer une belle semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine pour notre épisode sur Trice que j'ai enregistré avec Frank. Fait que passez une belle semaine tout le monde puis à la semaine prochaine. Ah, et aussi, pour vous mettre un peu dans le contexte, je vais vous mettre, avant que l'épisode commence, je vais vous faire jouer la chanson « À boire » de Bodakta. C'est juste pour mettre un peu dans le contexte de la soirée que c'était. Donc, on se parle la semaine prochaine, comme je disais, et bonne semaine tout le monde. Que nos coudes se sont levés, le soir est rond.
quand je trouverai femme, caresse et maison. En attendant le calme, la raison, j'entends mon tuteur, je chante ma chanson. À quoi? Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. À soir, on a une chose spéciale pour vous autres, ça va sortir épisode 14, je sais que c'était censé être l'épisode sur Bring Me the Horizon, mais on va être d'avance un peu, deux épisodes cette semaine, on va le sortir samedi au matin. Le spécial de ce soir, c'est que on est sur la brosse, on a eu du fun à soir, on a écouté de la musique, fait que à soir, là, vous entendez les voix des personnes qui sont avec moi. À soir, il y a Dean qui est avec moi. Comment ça va, mon Dean? Bien sûr, gang. Si j'espère que vous allez bien. T'es-tu sur la brosse, mon Dean? Oh yeah, on a toujours du fun. Il arrive 6h du matin. J'espère qu'on est sur la brosse. Ah ben ça, on a mon ami Phil Skids. Comment ça va, Skids, à soir? Comme un charme, mon cher. Comme un charme. Comme un charme. C'est ça qu'on veut attendre. À nous, avec Skids sur le même micro, on a notre ami To Me, esti. Tony. Tony. On va essayer, là. Tony. T-O-N-Y. Non, mais Tony, son vrai surnom à Tony, c'est Anaconda Boy. On ne s'en demanderait pas pourquoi. On va s'attirer à une jeune audience. En tout cas, c'était drôle, en esti de la fille à quatre pattes qui criait ça au Rockfest, il y a deux ans. Aïe, aïe, C'est toujours fun. Ça commence fort. On va s'amuser, ça commence fort. À soir, on est en feu. On a nos chums Tony et Skid qui sont sur la recherche à soir. Google est entamé sur leur ordinateur. Google live à soir. Tu la racine carrée de pi, toi? Hey, on peut chercher plein d'affaires. Racine carrée de plein d'affaires? On le sait. On a nos sources à soir. On a les sources. On a l'accès à la porte de Google. Google est ma bitch. Google. Bon, en tout cas, on est un podcast de musique, fait que ta racine corée de je sais pas trop quoi. Ouais, on sent. On va passer à la musique à soir. Fait que là, on va faire un petit tour de table, les gars, pour voir c'est quoi nos premiers shows qu'on est allé voir. Fait qu'on va starter avec mon chum Dean. Yes, explique-nous ton premier show que t'es allé voir. Écoute. Puis, est-ce que je cherche? Va falloir que tu t'expliques pour vrai. Ouais. Il va falloir que je m'explique parce que moi, mon premier show, c'était. Ça faisait partie d'un certain deal là, avec mon père. Là. Moi, dans le fond, nous autres, on voulait aller voir moi et ma soeur. Moi, je trouve ça cheap, tu mets ça sur le dos de ton père. Mais c'est-tu quoi? Non, parce que pour vrai, mon père, il était bon en salle. Parce que il a passé de Avril Lavigne qui voulait nous amener voir en condition que nous autres, on l'amenait à voir Slipknot. Que c'est pas dans le même range, là, on s'entend, là. Ouais, mais t'es allé voir Avril Lavigne. Ben, c'est-tu quoi? Puis honnêtement, là, je m'en tirerai pas. Je suis sûr que t'as eu du fun. Je m'en tirerai pas. J'ai eu du fun. Non, mais c'était cool pour vrai. Tu sais, c'est un autre genre de quoi qu'on est habitué à voir. Tu sais, comme les gros trash. Puis la grosse musique. Là, dis-moi pas qu'il y avait de trash à Avril Lavigne. Mais non, mais tout au contraire. Là, c'était. Mais sais-tu quoi? Il y avait un trash, mais c'était un trash amical. Tu sais. Là, c'est toujours ça. Ben, mais. Ouais, probablement que ça n'a pas. Sujet à débat. Je vois. Crowd killing exclu, on va se le dire, Chris. On s'entend qu'un trash Avril Lavigne. Sujet à débat. Puis un trash, mettons, Slipknot. C'est très amical, Slipknot. Je suis désolé. Non, mais. Moi je parle de. Tout le monde signe, man. Tout le monde signe. Mais genre, mourir au Heavy Montreal. Ben, writer. Non, t'as failli mourir parce que t'es embarqué dans la valise du char. C'est pas pareil. C'est pas le même genre de monde. Là. On s'entend que tu vas pas avoir le monde de Slipknot qui s'en va voir Avril Lavigne. Là. Ben, c'est clairement oui, mais si tu l'as fait. Ben, moi, je vais m'en compter pour exception. Parce que, comme que je disais, par exemple, quand mon père est venu Slipknot,
m'a dit une affaire, il était surpris en esti de ce, c'était quoi Slipknot là? C'est le show, le Slipknot à Zelay Dying qui ouvrait si je me trompe pas. Ouais, mais... Non, c'était un bon show. Là. Mais c'est un excellent show, mais... Ah, c'est sûr, certain. Ça dépend, c'est qui va le voir. T'avais quel âge, bon. Là? Moi, d'après moi, j'étais peut-être 14-15 ans, là. Ouais, mais... C'est quand même jeune, là, pour le... À Zelay Dying, 14 ans... Mais Avril Lavigne. Avril Lavigne. Skater Boy, man. Skater Boy. mais c'est ce que c'est, tu sais. Oh, ouais, non, mais je comprends. Même en tant que moi, que j'aime la musique un peu plus hardcore, là, que ouais. J'ai même eu du fun à Avril Lavigne. Non, on s'entend, là. Ouais, mais quand j'étais jeune, là, moi, Avril Lavigne, c'est de shit, là. On est-tu capable d'avoir Skater Boy en background comme musique? Okay, ouais, ouais, je vais aller chercher, bon ça serait nice. On va rappeler des petits. Parce que pour vrai, moi, je vais emmener une petite anecdote. Skater Boy, c'était de shit, mon gars. Dernièrement. Yeah, boy! Je veux juste dire de quoi. On a un épisode qui s'en vient, ok? Pas qui s'en vient, qui est sorti. Sur les pistolets roses. Ça fait quasiment deux fois qu'on compare Avril Lavigne. Fait que pourquoi est-ce qu'on fait pas un épisode sur Avril Lavigne s'il est si tant amené dans les épisodes? Fuck off, esti. Mais c'est ce que moi je pense que ça en vaut la peine. On peut-tu finir le tour de table de le premier show? Attends, on va se mettre un petit Avril Lavigne en arrière-plan. Je suis désolé ce soir, on vous sort ça super vite les gars à soir. Ben les gars, les filles, parce que on fait pas ça, de montage. Ça c'est misogyne. J'ai dit les gars et les filles. C'est pas mal binaire ça. Faudrait que t'inclues le monde entre aussi, s'il te plaît. Ok, transgenre, ouais, tout le monde. On sait bien qu'aujourd'hui, fait que, on va se mettre un petit Skater Boys. On va voir si ça sonne bien. On s'en sac, sinon. On skippera le. C'est un try-out. On est ouvert aux commentaires, là. On suggère tout le monde d'aller toujours aux commentaires, là. Skip ton premier show. Ben écoute, mon premier show, moi, c'est simple. À mes 16 ans, ma soeur, elle m'offre un cadeau de fête. Elle m'amène voir Opeth avec de ses amis. 16 ans, ton premier show de musique, c'est 16 ans. Mon premier show. Mettons plus hard, là, comme non, mais dans le monde. Premier show. Ah, hey, premier show, c'est top. Première expérience devant une scène. Là. Ouais, je me rappelle mon premier show. Là. Premier show. Hey, dur à dire, man. Honnêtement, je sais pas comme premier show parce que je suis allé à des trucs des montgolfières là, qu'il y a à Saint-Jean. Fait que je pourrais pas te dire, man. Mais mon premier show de métal, on va dire, même la musique qui m'intéressait plus. Opeth, 16 ans, ma soeur m'offre ça. Un peu mieux qu'Avril Lavigne. Un tout petit peu mieux, écoute. Sujet à débat, mais tout ça pour dire que... Sujet à débat, pendant le spectacle, il y a une de ses amies, la fille est en plein show, elle a chaud aussi, puis elle est tombée sans connaissance, ok? Fait que là, tout le monde... La chanteuse, ça? Non, l'amie de ma soeur. Ok. Ah oh, pète, y'a pas de chanteuse en fait. Bref, ma soeur, elle amène la pauvre fille, elle amène au bar, puis elle dit au dude, au barman, elle dit genre, hey, tu sais, mon amie est inconsciente, peux-tu avoir de l'eau? Puis le gars, il fait genre... Ouais, belle excuse, genre, t'auras pas d'eau gratuite. Là, comme, va chier, man. Ça se peut pas, tu peux pas me faire ça. Finalement, le gars, il se rend compte que la pauvre fille, elle est vraiment inconsciente. Il l'amène, s'il saute par-dessus son bord, il la ramasse, il l'amène backstage. On est tous backstage, on voit le show, genre, de côté. Tout qu'une expérience. Pas mal freaky, man. Fait que, je vais passer la parole à mon cher Antoine. Et moi, écoute, la première chose que j'ai eue, j'étais vraiment vieux pour avoir le premier show. Quel âge? J'avais 19 ans. J'étais allé voir non man. J'étais allé voir Death From Above. Oshiaga. Death From Above. Ouais, Death From Above 1975. Je sais jamais les nombres là. C'est des chiffres. C'est des chiffres. Les nombres, c'est des chiffres. Je suis pas mal sûr que je les ai bons. Mais peut-être. Mais honnêtement, c'était un show Oshiaga. J'étais allé là, ça m'a coûté quoi, trop quoi? Cher. Ouais, trop cher. Parce qu'on s'entend qu'Oshiaga, tu t'en sors pas en bas de 100$. Oui, mais c'était Oshiaga dans le temps. 100$, pas cher. Dans le temps. Mais ça dépend ce que tu vas voir. Parce non, que, mais pour comme, je veux pas couper Antoine, mais. Non, comme, mais c'est dans le temps, en 2011, là. En 2011, là. Ça coûtait 80$ pour une journée, là. Puis là, c'est encore pire, là, mais... Parce qu'il a pris la passe pour les trois jours. Non, j'ai vraiment sur une journée. Ça m'a coûté 80$. Tu as vu John Butler aussi? Oui. Puis c'est là que, genre, j'ai trippé ce band-là. Ben, band. C'est ça, une band, là, ça dépend des fois, là. Ben, c'est John Butler trio, là. Ouais, mais des fois, il est sur le trio, des fois, il est seul. Mais ce gars-là, man,
Shit, son, c'est une bête. Mais, cette fois-là, après John Butler, il y avait Death From Above, que ça, c'était mon band. C'était mon band de shit, là. On en met ça en background? J'ai tellement été déçu. Oh! Ah, ouais! Tant que ça en show, shit, ouais. Son, man. Ça a même pas de sens. Mais c'était quoi qui clochait? Qu'est-ce qui clochait? C'est parce que Death From Above sont deux. Mm-hmm. Fait que si quelqu'un fausse, là, ça paraît vraiment beaucoup. Ben, c'est là. Sûr. Et comme qu'on peut entendre dans le background, je pense que c'est ça que Alex vient de mettre. Puis l'affaire qui était problématique dans ce show-là, c'est que le drummer était sa poudre. Quel tabarnak. Comment tu fais pour savoir ça? Il jouait tellement trop vite. Ça n'a pas de sens. Ça va le stress, la poudre. Ben, il y avait ça. Il y avait ça, puis entre les chansons, il avait chier tout le monde. Là, j'y mets quelqu'un qui bat vraiment vite, là. C'est vraiment mauvais pour un podcast, mais... C'est tout un podcast audio. Non, mais ça m'a tellement déçu, là, mais... Voilà. C'est ça? Hey, man... Ça, c'est ta première expérience en tant que show. En tant que show, mais oui. Je suis désolé, je pense que Tony est plus affecté que tout le monde à ce soir. Toi, hey, c'est ça. Ton premier show, là. Ton premier show à vie, là. Premier show à vie que j'ai été voir. Jimmy Eat World, j'avais 8 ans. Ah, ouais. 8 ans? 8 ans. C'est ma soeur qui m'a amené là. Ta soeur, elle avait quel âge à cet âge-là? Ma soeur, on a 8 ans de différence. Ma soeur avait 16 ans. Elle t'amenait dans un nouveau monde de musique. Ouais, là. Mais moi, je l'ai dit souvent dans le podcast, j'ai grandi avec des punks. Moi, ma soeur, j'avais 5 ans, elle me faisait écouter du Bérurier Noir. Là. Ah ouais? Fait que depuis cet âge-là, je trippe là-dessus. Je fais découvrir ça du monde aujourd'hui. Tout le monde déteste. Là. Je sais pas pourquoi, c'est tellement des poètes. Moi, j'aime ça, man. Ah ouais, pis en tout cas, pour revenir, à 8 ans, m'a amené voir Jimmy Eat World. Ma soeur était gros dans le gros punk, mais elle était aussi punk rock, un peu plus indie aussi. On va voir ce show-là, pis... Ok, là, à son confession, là. Wow. Ouais, vas-y. Confession Alex, ce soir avec Alex. Alex, étale tout on va savoir table. Les vraies affaires. Moi, quand j'étais petit... Moi, je faisais beaucoup de titres, OK? OK. Puis, tous les endroits forts, j'étais pas capable d'aller, OK? J'étais pas capable d'aller au cinéma. Quand j'étais petit, parce que je faisais tout le temps des titres quand j'allais au cinéma, puis tout ça. Et là, j'ai été voir ce show-là. J'ai pas vu les premières parties parce que je voulais pas rentrer en dedans. Parce que j'avais peur. T'avais peur pour ton ouïe, là. Pour mes titres, puis tout ça. Puis là, ma soeur a fini par réussir à me faire rentrer, là. Chris, j'étais à Montréal. Je pense qu'on était sur la rue Ontario. J'avais 8 ans, je voulais pas rentrer dedans. Mais on se mentira pas, Bam, pour voir un show un peu plus hardcore, entre guillemets, là. Ben, pas hardcore, mais entre guillemets. La salle où t'étais? Plus sévère, là, mais... C'est une petite salle, c'est pas une très grosse salle. C'était dans le temps de The Middle, là. Les pognait son hype, là, je te dirais. Pis, en tout cas, j'ai fini par rentrer, pis je suis désolé, là, je vais tout vous mettre jaloux, là. Mais est-ce que vous écoutiez le loup-garou du campus? Hey, man, oh, loup-garou du campus, c'était de shit. Mec, qui a pas écouté ça, honnêtement? Ok, là. Mais deux semaines t'as avant... T'as pas écouté ça, pour vrai? Moi, j'avais pas le câble, man, j'ai jamais écouté les émissions de même. En tout cas, mais t'as raté ta génération, man. Ok, mais... Ce que je veux dire... Deux semaines avant, les acteurs du Loup-garou du campus étaient à Montréal pour une séance d'autographe. Ok, pas un tournage? Au Colisée Pepsi de Montréal. Le Colisée, c'est là que tu sais que ça date quand même un tout petit peu. C'est le Colisée Pepsi, le temps. Hey, on est un peu vieux, là. Puis, en tout cas, mais ça a été annulé. Puis celle-là, ça a foutu à mal que les jeunes qui étaient là, puis tout. Mais moi, deux semaines après, je vais voir Jimmy Eat World avec ma sœur. Puis croyez-le ou non, j'ai passé la soirée entière avec le gars qui jouait Merton. Merton? Ah ouais!
C'est ouais. vrai, man. J'ai encore mon billet de ce show-là. J'ai l'autographe en arrière. Mais j'espère. C'est malade. Je l'ai eu pour moi tout seul toute une soirée. Fait que allez tout chier. Ça m'atteint même pas. Non, man. Parce que t'as pas connu ça. Ouais, aucune mais, idée de ce que c'est. Pour la génération qui écoutait, mettons, là, comme VRAC TV, parce que ça passait à VRAC TV, ça me semble. Ouais, VRAC TV. C'est pour le monde qui écoutait VRAC TV. Ça, ça a été comme celui-là qui avait le câble. As-tu ouais, été. Les jeunes de, ouais, mais c'est l'épisode de jeunes de l'heure. L'émission, ouais. As-tu été assez vieux pour voir, genre, Jeff Harrison faire décrisser des ondes? Ben, ouais, ça je l'ai vécu. Là, tu l'as vécu? Ouais, je l'ai vécu là, à travers les médias, mais comme ça m'a pas autant impacté, je pense, que le reste du public québécois. Hey, on parle de ça. Là. Non, mais je suis quand même c'est content qu'on ait quelqu'un qui a pas vécu ça, puis qu'on en ait trois autres qui ont écouté ça. On peut le juger. Mais comme que lui, il peut nous juger aussi, tu sais. Non, comment tu veux juger ça? On a eu la plus belle des enfances, là. Non, mais c'est toi une chose. Ce n'est pas toujours que c'est qui. On avait des pédophiles des émissions jeunesse. On a les plus belles enfances. Malade. Imagine-toi quelqu'un qui te décrit c'est quoi Bob l'éponge, ok? Quand t'es jeune, là. T'es au primaire, et quelqu'un qui dit hey, Bob l'éponge, c'est la meilleure. J'ai plein de pédales, Bob l'éponge. C'est mon fricheteur. Qu'est-ce que c'est, Asti? Non, ça marche pas, là. Hey, tu sais-tu quoi? L'année passée, il y a 2 ans, le deuxième film de Bob l'éponge est sorti. Ouais. Au cinéma. OK. Puis moi, Frank puis Phil Bizarion, on est allé le voir. Sérieusement? Tu sais, ouais, Frank, je dis Frank demain. Frank, le gars qui a fait déjà 2 épisodes avec nous, on est allé voir fucking Bob l'éponge, 3 gars en plein après-midi avec plein d'enfants, là. C'était malade. Personne comprenait rien. Nous autres, on était crampés de rire. Hein. Asti, c'était drôle. 3 poils qui vont voir. Qui vont voir Bob l'éponge. Y a pas d'âge pour avoir du fun avec des cartoons. Mais non. Y a pas d'âge. Vraiment pas, non. Hey, quand Toy Story 3 est sorti, là. Hey, même chose. Hey, la scène du monde, ils sont censés se faire incinérer. Là. Tu paniques-tu dans cette scène-là? Moi, honnêtement, là, j'ai tellement écouté Toy Story 1, là. C'était ma cassette quand j'étais jeune. C'était ta cassette. Mes parents étaient écœurés d'entendre Toy Story 1. You got a friend in me? Oh, ouais, wow. Je vais en chercher. Moi, je pense que ça en vaut la peine. Ouais, je pense que c'est adéquat. Pour le moment, là, c'est plutôt un peu. Hey, man, j'ai scrappé des VHS, mon gars, là. Moi, c'était ça, là. Sinon, j'étais pas tenable, là. Hey, le rewind du VHS. Ouais, hey, c'est de ça qu'on parle, là. Assoir sur une brosse, là. Il est quand même à ce moment, là. Il est trop tard. Il est trop tard. Juste pour dire, le soleil sort, là. Je pense que c'est un moment adéquat pour la toune qui se passe en ce moment. Est-ce que je peux. J'aimerais ça qu'on fasse un toast tous ensemble. C'est une bonne idée. À de Chum Ben qui est mort sur le divan en arrière. C'est-tu quoi, ouais? Chum ouais. Ben! Une bonne idée. Aben, c'est... Aben! Il m'entend pas, mais... Santé, mon Ben! Santé, mon manteau, tantôt! On s'en reparlera tantôt! Honneur qu'il y ait une soirée plus dure que les autres, à soir! Ça avait l'air compliqué! Il se rappelait pas de son adresse. C'est plate! Je veux vous dire, cher auditeur, là, c'est un petit peu plate, parce que... Habituellement, il y a toujours Jack avec moi ici, pis... Jack, avant qu'on décide de faire ça, était là. Mais on espère quand même que vous allez avoir du fun sur le podcast ce soir. Puis, on fait ça sur un flyby. Ouais, c'est un spécial Sabrosse. J'aimerais ça qu'on parle de nouvelles affaires. Ouais. On parle d'affaires sérieuses, par exemple. Là, j'ai mis cette toune-là, il n'y avait même pas de parole. Si. Mais non, mais c'est plate parce que. Il y a même y avait une version virale là avec moi-même, je serais dans pour mettre cette partie-là. Là. Shout out pour le père et sa fille qui joue la version à la guitare. Ah oui, c'est bon, hein, ça. Ça, pour vrai, c'est une bonne affaire, ça. Mais là, il faut que j'aille sur YouTube à la place. Ça, c'est plate. Bon, en tout cas. Si tu veux, sort les internets. Avant qu'on sorte de ça, c'était ma toune quand j'avais entre 0 et 3 ans. Puis tu t'en rappelles? Ouais, man. Je m'en rappelle. Honnêtement, moi, personnellement. Honnêtement, ok, non. Je me rappelle pas de grand chose. Je me rappelle pas de cette zone-là. Attends, je me rappelle de mes parents qui m'ont dit: man, Toy Story, tu l'as tellement écouté.
de scraper deux tapes VHF. Parfait. Là, vous voyez qu'on joke pas quand on dit qu'on est... C'est sérieux. Allez, il y a pas des VHS. Des VHS. Hey, allez, chier, calice. Ça, c'est la version que je voulais que tous nos auditeurs écoutent pour la... cette situation-là. Là. Ça, c'est la pièce de l'heure en ce moment. Vous avez compris, Ben? You got a friend in me, aussi. You got a friend with us, aussi. Oh, my God, les gars, je suis magané, là. Mais ben, c'est plate qu'il y a Jackson. C'est même. Tout de ça. On est tous maganés autour d'une table, puis on a encore du fun à jaser. J'ai ri cette semaine. Ben, cette semaine. V'là deux, trois semaines, j'ai ri. Moi, j'ai ri. V'là une semaine, Alex, votre animateur, a acheté une niaiserie Amazon que je veux partager. Parce que c'est important. Il a acheté pour 130$. Ça commence bien. Ça commence, son explication, par exemple. 130$. Un suit. Du Megazord, man. De Megazord. De Rangers, mesdames et messieurs. De Power Rangers. Puis savez-vous quoi, si? Je rentre même pas dedans. Je rentre pas dedans. Mais notre ami Ben, ce soir, il rentrait dedans. Rockfest. On a preuve concrète que Ben, il rentrait dedans. Ce Rockfest, fuck off, tu la jettes. Il est là, on descend à la broche. Ben, je l'ai acheté. Puis savez-vous quoi, le pire dans tout ça? Hier, je reçois un message texte. OK, le costume a coûté 130$, OK? Je reçois un message texte de la compagnie de livraison. Ouais. Il a fallu que je paye 35$ de dédouanement hier. Ah ouais! Ah non! Fait que j'ai payé quasiment 170$ pour un fucking costume qui me fait pas. J'espère que tu vas t'en servir. Il me fait pas! La bonne nouvelle. Tu vas faire servir à quelqu'un d'autre. Parce que moi, en tout cas, je sais qu'en moins plutôt, il y avait. Fait que cet été, on a décidé que j'allais me déguiser en sumo. Oui. Pis que, ben. Pis l'autre, il va être en Megazord pis on va se battre, ok? Sais-tu quoi? C'est une maudite bonne idée. Ouais, fait que au Rockfest l'année prochaine, un Simo et un Megazord, on va faire un petit match. Faire attention, watchez-vous. Les conseillers aux jeunes enfants. Watchez-vous. C'est quoi notre adresse? Ouais. Faudrait que tu parles face au micro, pas en avant. C'est quoi notre adresse? Au Rockfest. Au Rockfest? Ouais, notre adresse c'est la. À la Conda Boy. Ok, ça c'est moi. Mais ça c'est Tony Anaconda Boy au Rockfest, v'là 2 ans, la fille à 4 pattes en avant. Abonne-moi ton pénis, ça a l'air que t'es un Anaconda Boy. Ok, mais c'est pas ça que je l'ai parlé. J'espère que ton ex écoutera pas cet épisode là. Ben, ton ex, ta blonde. Tabarnak. On a prédit le futur ici là aujourd'hui à l'épisode 14 de Alex Phillips. Ben, c'est correct. Mais, là, ouais, j'oublie que je voulais dire. les révélations sont là, mesdames et messieurs. Fait que le prochain sujet, quoi qu'on parle prochain avec... sujet, ok, j'aimerais ça savoir, si vous en rappelez, le premier album que vous avez acheté, les gars. Ah, moi, j'ai acheté. Premier album, oui, je vais parler personnellement, moi, mon premier album, c'est de M&M. Premier album, Eminem. Eminem, ouais. Fait que on a passé de Avril Lavigne à Slipknot à Eminem. Exactement. Il y a une évolution weird de ton bord, là. Puis commencer à comprendre mon cheminement musical, là. Ben, moi, c'est drôle, mais moi aussi, c'est Eminem. Non, ouais, c'est-tu quoi? Hey, chapeau. Puis je vais t'en demander, sans dire mes raisons personnelles, je vais t'en demander les tiennes. Pourquoi ben, que t'as miennes. Acheté ou bien que t'as choisi cet album-là? Ben, j'aime encore ça. C'est lequel, l'album? Quel album? Bonne c'est question. Ok. Encore de M&M. Encore de M&M, ouais. Ouais. Puis pour est-ce que t'avais une chanson en particulier de cet album-là? Just Lose It. Lose It? Just Lose It. Ouais. Man, moi, je l'aime encore. Mais en fait, est-ce qu'on peut mettre un peu de M&M en background? Ouais, je vais aller vous chercher ça sera merci. Pas trop long. Puis oui, j'écoute du hardcore, violent et tout, là, mais... Non, ouais. Mais honnêtement, mais moi, je peux comprendre parce que moi aussi, moi... Je l'aime encore, là. J'aime ça encore. Moi, je vais en écouter encore une fois de temps en temps. Puis moi, c'est une plug comme... du M&M, là. Moi, je suis down.
le premier CD que j'ai acheté, si je me trompe pas, c'est un CD de Linkin Park, Hybrid Theory. Hybrid Theory. Je l'ai eu, moi aussi, dans mes premiers. Mais honnêtement, juste pour faire un beau petit lien à ce qu'on a parlé plus tôt, là, j'ai aussi acheté très tôt dans ma carrière d'acquéreur de CD, là, j'ai acheté un CD de Avril Lavigne. Il y avait Skater Boy dessus. Désolé, peuple. Désolé. C'est juste plate, hein. Elle a sorti Skater Boy, puis dans ce temps-là, on se crossait pas encore dessus. Ouch. Hey, quand elle est revenue en petite blonde Barbie, là. On se le cachera pas. On se cachera pas que, hein. En golingalingaling, ici. Golingalingaling, tu sais, hein. Elle est revenue genre en semi-japonaise. Pas vrai, là. Elle est chier, mais tabarnak, là, c'est pas vrai, là. Non, mais elle était chaude, aussi. Non. Fait que, ok, premier album. Fait qu'on va revenir On va revenir sur le contexte. Sujet, on a un premier album. Fait que toi, c'était Encore. Toi, c'était Hybrid Theory. Moi, mon premier album, c'est Cave. Je sais que je vais dire c'est Cave. Tu comprends mettre en background? Mais c'était Jimmy Eat World. C'est pas grave, est-ce qu'on peut quand même en mettre en background? Encore? Ça fait quand même le contexte. Là. Faut quand même garder. J'ai réfléchi. Moi, je pense que c'est peut-être structure. Les Cowboys fringants puis Break Syndical. Break Syndical? Ouais, peut-être. Je sais plus, là. Ben, regarde, si tu viens te chercher, là. Ben, c'est ça. Ben, y a des choses. Oui, moi, excuse-moi, j'ai pas compris. J'ai allé chercher, là, c'est ça que t'as acheté, hein. En gros, c'était le raisonnement de Tony, là. Hey, moi, je suis fucking cartésien. Hey, ça, si là, j'avais cherché, là, mais c'était ça. Non. Cette chanson-là, pour moi, là, ce que ça ramène dans la tête, là, c'est Big Shiny Toon 6. Rien d'autre. Big Shiny Toon 6. Vraiment, man. Big Shiny Toon. On l'a tous eu, ce wow. Tout le monde a eu. Comment être mort, là, à voir l'album de Big Shiny Toons? Écoute, j'en ai eu deux back à back, man. Le 6 et le 7. Écoute. Ça, c'est incroyable, mais moi j'avais celle qui avait Ricky Martin qui faisait Mambo 5. Ça, c'est incroyable. Je peux pas dire autrement. C'est, De quoi vous parlez, là? Je parle de Mambo 5 de Ricky Martin. Mambo number 5. Ça, c'était mon premier Big Shiny Toon. Ou compilation quelconque. Mais le premier show, ça m'a l'air vraiment stupide. Mais le premier show que j'étais allé, pis que j'ai eu peur, c'est à cause d'Alex. C'est pas le premier show que t'es allé, si ton premier show c'est l'autre. Non, c'est pas le premier show que j'étais allé, c'est le premier show que j'ai eu peur. Que t'as eu peur? J'ai eu peur. T'as eu peur, littéralement. Terrorisé, le gars il est dans scène, pis dans salle, il est comme oh my god, mais le monde a eu peur. C'est un show de Flogging Molly. Wow. T'as eu peur? Flogging Molly? Ben, j'ai eu peur un peu au début, mais j'ai eu du fun en tabarnak après. Pis j'en reviens là-dessus. J'en reviens là-dessus après. C'est au Rockfest ce show-là? Oui, ta gueule. Parce que là, ok, te l'as-tu dit? Mais là, Chris, faut voir la grosse histoire là. Bon, on tourne au show. On tourne au show de Flogging Molly. Ouais. Où j'étais avec Alex, on a fucking du fun. Pis là, il me regarde. Sa blonde est arrivée. Hey, t'as. C'est pas ça qui est arrivé là. Arrête de mettre des affaires qui arrivent pas. Alex me dit: hey mon gars, donne-moi toutes tes affaires dans tes poches, là. Là, je sais pas quoi. Oh, Skid, il a réagi à cette phrase-là. Tu l'as-tu déjà entendu, Skid? Ben, ça me dit de quoi. Moi, je vois que ça s'en va assez clairement. J'ai une très bonne idée. Moi, je comprends pas vraiment. Pourquoi? Non. Tu comprends pas, là. Toutes tes affaires dans tes poches, tu m'y donnes. Là, je comprends un peu parce que je suis pas un assez attardé. Faut que je donne mes affaires, sinon je m'en vais en body surfing jusqu'à vraiment loin.
Si, Maiden. Move it all around. Il va pareil. Pas le choix, rendu là. Il a jamais fait ça de sa vie. J'ai vraiment pas voulu faire ça. Mais j'avais pas le choix. Oh shit, man. Il a fallu que je donne en crise de course. Ok. Mes poches, ma casquette et tout. Ah. Parce que, man. Cher auditeur, hey, Tony, deux secondes, je veux juste faire un message. Cher auditeur, je m'excuse, Tony a vraiment de misère à raconter son histoire. Écoute, ça fait 10 minutes. On est tous ça fait 10 minutes qu'il glande là-dessus, là, mais il a fait du body surfing pour la première fois. Là, okay. Que, c'est ça. Je voulais que je fasse ça vraiment, vraiment aussi. Ouais, c'est okay. Ça qu'on l'attend depuis tantôt. Mais shit, Alex, il m'a lancé dans une foule, fait du body surfing, cool, nice, cool. Cool, voilà. Nice, cool. Cool, nice, cool, exact. Pas pire, pas tout. Premier body surfing, c'est attends. C'est le feeling que t'as quand tu fais ça, pareil. Hein. C'est quand même fucking cool, là. Oh, ouais, moi, c'est mon premier body surfing, Taste of Chaos 2009. Moi, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est Atreyu. Tombe sa tête. Ah, l'année passée au Rockfest. Ouais, v'là l'année deux passée, ans. V'là deux ans. V'là deux ans. Tombé sa tête, man. Un band que j'aime même pas. Je me suis blessé. Il a fallu que j'ai passé toute l'après-midi au camp. J'ai manqué Bad Religion, Blind Witness. J'ai tout manqué il ça. Il était au terrain de camping, j'ai la petite glace à la tête. Hey, je suis en train de tomber dans les pommes. Là. Ça, c'est la même soirée, c'est la même fin de semaine de. À Paradis City! C'est la même fin de semaine que ça. Hey, man! C'est à moi! Eux autres! Ça, là, c'est une gang de l'armée. Ils étaient campés juste à côté de nous autres. Il y en a un, je sais pas sur quel drap qui était. Mais il a passé toute la nuit à côté de notre tente à Alex, crier. À Paradis City! Tu te rappelles pas, il a acheté de la MD à. Tu feras un bip! On s'en crisse? J'ai pas de montage! Ben, anyway, personne sait qui Il en a acheté un, il a fait. Hey, ça marche pas cette affaire-là! Fait qu'il en a pris un autre, pis là, il était défoncé. Le pire, c'est qu'il arrête pas, là! On voit pas, mais je me cogne la tête du micro. Ah, oh, bon, on l'entend! Oh. Allez, chier! Allez! Hey, d'après moi, est-ce que tu devrais prendre contrôle de ce micro-là? Avant qu'on tombe vraiment explicite. Est-ce que tu es en contrôle? Fait qu'on va passer au prochain sujet. Moi, je raconte des histoires que je devrais pas raconter. C'est des histoires qui se racontent autour d'une table pendant une brosse. Quand il n'y a pas les micros, je pense. Mais ça, c'est un autre. Ouais. J'ai dit de bipper le nom que j'ai dit. Ouais, mais je fais pas de rien, là. Oui, on finit ça, pis ça s'en va. Je vais t'aider. Non. Okay. Fait que prochain sujet, Alex, c'était quoi? Prochain sujet. Je dirais. Une des chansons qui vous a le plus marqué. Plus marqué. Oui, il va falloir que personnellement, je vais retourner dans les M&M. Moi, c'est Cleaning Out Your Closet. Ok. De M&M. Ouais. Moi, personnellement, ça a été un grand épisode de ma vie. Là. Ça a été une chanson qui m'a aidé au travail de bien des affaires dans ma vie. Moi. Ok. Cool. Puis et toi, mon cher ami Skids? Ah, écoute, je vais laisser Antoine y aller parce que pas trop. Je vais encore lui laisser le micro à lui. Oh. Écoute, mets-nous pas dans le marde. T'es sûr de faire ça? Mais lui, on est bon pour une autre 10 minutes là. Bonne chance, tout le monde. Ok, je vais. Rambler un peu. Honnêtement, quand j'étais jeune, la tune qui m'a le plus marqué, ça va l'air vraiment stupide. Sean Paul. Non, mais hey, ça a marqué. Tout le monde qui avait mon âge. Fuck off, man. Laisse de marde, cette tune-là. Oui. Honnêtement, oui, c'est de la marde. Pourquoi ça t'a marqué? Parce que tout le monde écoutait ça. Tout le monde, quand j'étais jeune, écoutait ça. Fait quand t'étais jeune, t'étais un esti de suiveux. Non. Honnêtement. Je pense que moi, personnellement, je vais prendre un autre gorgée.
Non, mais tu dis ça, mais... Mais oui. Tout le monde était ça. Moi, je te le jure, j'ai jamais écouté ça. T'as jamais écouté ça? Jamais. T'as-tu vécu en sur une roche? Non, si j'écoutais de la bonne musique, c'est pas pareil. Je comprends comme t'as pas pu entendre ça jamais. J'ai pas dit entendre, j'écoutais pas ça. Ok, oui, c'est beau là. T'écoutais pas ça. Ben non. Mais t'as déjà entendu ça quand t'étais jeune. Ben oui, mais j'écoutais pas ça. Fuck you, tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire, là? Ouais, mais... Si... Toi, tu dis que tout le monde écoutait ça. Moi, je te dis juste que moi, j'écoutais pas ça. Je l'ai entendu. Ça n'a pas dit que tout le monde a entendu ça. OK. Ça t'a marqué parce que tout le monde écoutait ça. OK, j'en commence. Ça m'a marqué parce que tout le monde écoutait ça. Ça de Paul. OK, je suis trop chaud, man. Drop the mic. Non. Ok, fait que j'ai pas le droit de faire ça? Non. Non, mais pour vrai, là. Tu sais, mais okay. Mettons, si t'aurais un deuxième choix, là. Deuxième vois. Choix, honnêtement, ça va être. Laisse-moi un peu réfléchir. Est-ce que tu devrais être capable de nous répondre d'abord? Pour moi, écoute, ce qui a amorcé ma transition vers la musique un peu plus hardcore, on va dire, c'est carrément Linkin Park avec... Probablement comme... ce qui m'a fait découvrir Linkin Park, ça aurait été In The End avec Musique Plus et compagnie. OK. Fait que In The End a amorcé, mon changement vers le hardcore. C'est ça qui m'a marqué. OK. Non, mais c'est quand même une belle transition. Ouais, je pense que... Ouais. Ben, c'est délicat, on s'entend. Là. C'est rentré tranquillement dans ce monde-là. Oh, ouais, c'est très tranquillement, là, c'est... Tout en douceur. Oh ça. Ouais, écoute, j'ai pris mon temps. Je suis un gars qui progresse lentement. Voilà. Linkin Park. Oh, on a du mouvement dans le salon. C'est pas un Ben sauvage qui se réveille. On devrait prendre un micro. Moi, je vais y aller. Bon, aussi, ben, moi. Écoute. Oh. Ben vient de faire okay, une débâcle. Ben vient de tomber du divan. Il essaie de se relever tranquillement. Excusez-moi. Mais sinon, toi, Alex. Ouais, fait que comme j'allais dire, moi, hey, mon. J'ai joué à le dire. Je crois que j'avais l'air vraiment perdu tantôt. J'adore le punk. Donc, j'ai écouté du Sex Pistols, ouais. Des Canadiens. Même si Sex Pistols, c'était vraiment probablement un boy band. Un boy band. Legit, c'est un boy band. Ok, ouais, mais tu t'en vas avec ça. Tu savais pas ça? Non, c'est pas ça ma question, c'est où tu t'en vas avec ça? Je m'en vais où est-ce que ça me tombe. Ok? Ça, par exemple, moi je dois avouer, moi j'aime ça. Ça, là. Ok? Ça, j'aime ça. Pas un chemin pour être assez d'avance. En ce moment, on parle de album, une fois la qu'on chanson. Écoute pas musique, là, tout est permis. Moi, j'aime Jack. On parle de notre chanson préférée, puis lui, il rend du bouche, j'écoutais du Sex Pistols. Du Dead Kennedys. Ouais, j'adore le punk. Okay. Mais ma chanson qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est Jean de Paul. Jean méga Zarel. Allez, t'as chier, ta barnac. Je suis pas un bon premier. Un bon podcast. On va revenir! Non. Okay. Je peux juste passer le micro à ce qu'il dit. Toi, Alex, ma chanson qui m'a le plus marqué. C'est quoi que t'as marqué? Comme je disais plus tôt, moi, je trippais sur le punk très jeune à cause de ma sœur. Et je te dirais que la chanson qui m'a le plus marqué, ce serait Vivre libre ou mourir de Bérurier Noir. Ouais. C'est pour quelle raison? Je pense. Malgré l'âge que j'avais, ma sœur m'a vraiment inculqué la mentalité punk, puis le laisser aller, puis tout ça. Puis je pense que cette chanson-là représente vraiment ça. Fait que je dirais que c'est cette chanson-là, moi, qui m'a plus marqué. Tu sais, dans une entrevue genre télé, genre avec fucking Bero Cloutier. Non. Ça ressemble à ça. Ben non, je réponds à la question.
C'est une question-réponse. Bon, parce tous les rendités. Va donc te coucher, là. Parce que j'ai peur d'une crise à cave. On est désolé. On va dire qu'on endosse tout ce qu'il dit. Mais non, fait que je pense qu'on pourrait passer peut-être un petit extrait là, de musique quelconque. Je pense qu'on pourrait passer un petit quelque chose. Ouais. On a de la visite. Bonjour. Bien bonjour. À qui on a le plaisir? La voisine d'en bas. La voisine d'en bas, la blonde à Tony. En ce moment, je suis vraiment pas bon. Qu'est-ce que tu fais réveiller à 6h35 du matin? Je pense que c'était toute sa journée, moi. Non, je pense que c'est nous autres qui réveillé. On est responsable d'une partie de ses problèmes. Est-ce qu'on va l'utiliser, cette heure-là? Ah ouais? Je vais tout la mettre. Écoutez-la avant. C'est quoi ta toune? Je vais la mettre... Elle est même pas sur Spotify. Non, mais on va la mettre en background pour qu'au moins tout le monde puisse l'entendre. Mais non, mais dis-moi, c'est quoi, je vais la mettre? Animals, Strange Bones. Encore ça? Oui. Ça, c'est le band de Frank Carter? Non. Non? Ça, c'est la band que je vous ai dit l'autre fois. Comment c'est Strange? Strange Bones, c'est le band. La tune, c'est Animals. Je l'ai pas sur YouTube. Je sais, il l'a pas sur YouTube. Ouais, mais là, je suis désolé, on va voir un son de marde, mais c'est pas grave. C'est pas ça, mais c'est qui eux autres? Parle-nous-en. C'est un band qui a 4 tounes. Bon, il a tout fermé. Faites pas ça. Dire que ça s'en va sur internet, tout ça. Ben, pour le riff que j'entends, il est pas payé pareil. Ouais, mais je voudrais ça qu'il nous parle du band, là. T'as qu'à nous avoir ramené là. J'essaie d'en. C'est qui? C'est qui les autres? La conversation. Strange. Hey, man, je peux pas parler en même temps que ça. C'est quoi ce gros silence? Ah, c'est qui Strange Bones? Ah ouais, dis-nous ça. Strange Bones, c'est un band de du UK. Ok. Ils ont sorti un EP de 4 tunes. Là, pas long. C'est des tunes des styles vraiment différents. En ce moment, il y en a une qui joue. Ouais. Puis ça me rappelle c'est un ça? Peu. Ouais. Hey man, tu vas être crissement pas là. J'essaie de compléter tes silences. Fuck you man. Désolé les, là, tout le monde. Il ira pas sur internet. Oui, ça s'en va sur internet. Tabarnak. On est désolé Tony. Tony d'après moi il est un peu trop affecté par la sa Sliman là. Hey fuck you man, tu m'aimes même pas. J'en écoute à cause de lui, parce qu'il m'a forcé. Bon, voilà. Il y a des filles qui me comprennent. Mais la chose, c'est que tu nous expliques pas c'est qui le band, c'est ça que je te demande. C'est un band à deux? C'est un band à... Man, je sais même pas. Pour vrai, là, arrête de me poser des questions. Ok. Donne le micro à Skids. Ben, je sais. Il me met ça en gueule! Tabarnak! Qu'est-ce qu'il est sous? Bon, ben, je pense qu'on va en fait assez le tournée de table ce soir. Ça va être ça, notre épisode spécial Sabra. Spécial Sabra, c'est à 6h du matin. On s'en reparle lundi pour l'album de Royal Reagan de Kebel Redneck que j'ai.
Ah non, c'est pas vrai, c'est celles-là qui viennent de sortir cette semaine, ça. On va parler de l'album de Bring Me the Horizon que je sais pas Jack parler d'un esti de mot durant cet épisode-là. C'est rien que moi qui chiale pendant 35 minutes. Ça s'annonce très bon. On attend tout ça. Ouais, la semaine prochaine, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Là, je sais que c'est un épisode un peu spécial. C'est un épisode sur le fly. Sur le fly, on est allé avec la cuisine. On est sur un peu je serais pas malheureux. Tony est en train de tout regretter. Là. J'ai regretté. Tu vas s'en prendre sur un autre épisode. C'est avec Alex Phillips. À ce soir, j'avais avec moi, il y avait Dean Meunier. Bien sûr. J'espère que vous avez apprécié le show. Il y avait Phillips Kids. Enchanté tout le monde. Il y avait... Antoine Bossé. Ouais, mais ça, c'est pas moi. Il y avait Ben qui dormait sur le divan. J'adore la peine quand même. On espère que vous avez vraiment apprécié le show. Puis on va être de retour avec une nouvelle épisode. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Du bruit à mes oreilles. On est sur iTunes, Google Play, Podcast Addict, Podtrack, RZO. Puis sur Balado Québec, c'est eux autres qui nous hébergent. Donc vous pouvez nous trouver là. Fait que les gars, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis n'hésitez pas à aller voir aucun autre de nos. Je tiens à dire que ça a pris vraiment, vraiment une demi-heure à s'éteindre tous les micros. Puis pour donner cet épisode de marde. La crise de marde. Fait que, on se voit lundi. Live. À tout le monde. À la prochaine, tout le monde. Puis bonne fin de soirée. À la prochaine, gang. Where's my snare? I have no snare in my headphones. There you go. Yeah. Yo. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my wicked rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from parents. Just blow them off and keep going. Not taking nothing from no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leaving with a taste of sour as vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now, I bet you're probably sick of me now. Ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. One more time. I said, I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. Never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. I got some skeletons in my closet, and I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73, before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My faggot father must have had his panties up in a bunch. As he split, I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't, on second thought, I just fucking wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work with her. At least for Haley's sake, I maybe made some mistakes, but I'm only human. But I'm man enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb. But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun, cause I'd have killed him. Shit, I would've shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem show. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. One more time. I said, I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry. But tonight, I'm cleaning out my closet. Nah, I would never diss my own mama.
just to get recognition. Take a second to listen, fool, you think this record is dissing, but put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen, bitching that someone's always going through a person, shit's missing, going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up. Now I blew up, it makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma. But guess what, you're getting older now, when it's cold, when you're lonely, and Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you just see her, she's beautiful, but you'll never see her, she won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song, keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get. You selfish bitch, I hope you fucking burn in hell for this shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead, dead to you as can be. I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. One more time. I said I'm sorry, mama, I never meant to hurt you. I never meant to make you cry, but tonight I'm cleaning out my closet. Thunder ball, so me give it to, so me give it to, so me give it to our girls. 5,000,040 naughty shorty, baby girl, all my girls, Thunder ball say. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. I see the girl them broke out from the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on. Girl make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. And girl, you got the chest out, but you know we a sad cause girl, you're impressed out. And if you diss out of me, if it diss out, cause I got the remedy for make you de-stress out. Me have a flat to become me, God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it test my chest out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. I'm crazy now, this straight drop it and a Bridget and flavor show. Time for me make baby now, so stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't blame me now, cause I'm a fits and fat, not greedy, yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. With a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love how you fit in your blouse and your fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom.
to the girl, them broke out from the floor. From you don't want a workplace performer. From you don't want a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah. Eat no yam, no steam fish, nah. No green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Ha ha ha!
Et la société, on est les gueules cassées. Et la société est-elle brûlée? Pour les agiter, pour les pieds mouillés. Et la société, on est perroyé. Pour les défoncer, pour les détruquer. Et quel futur entre les quatre murs? Et quelle société pour les enragés? Et quelle société pour les cœurs cassés? Et quelle société pour les têtes brûlées? Pour les agiter, pour les pieds liés? Et quelle société pour les déranger? Pour les défoncer? Pour les défaquer? La 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 la. Supportez ceux qui nous supportent. La. See you.